Romain, on ne s'attendait pas à revoir Lady Sinead dans un quintet, mais ça sera dans une listade et c'est aussi un quintet cette fois-ci. Oui, c'est parfait, on en rigolait ce matin avec papa parce qu'on ne se voyait pas revenir dans cette catégorie-là et finalement c'est coup double. Vous imaginez bien que si on y retourne, c'est que la pouliche est restée top, sinon on n'irait pas aux courses. C'est sa dernière course de l'année, elle partira se reposer après. On fait très bien le parcours, le numéro extérieur ne me dérange pas, c'est une pouliche qui aime bien venir sur les autres. Son jockey, son parcours, elle est restée au top. Je vois pas pourquoi elle nous ferait faux bon aujourd'hui. Comment vous avez jugé sa dernière prestation à Saint-Cloud, une distance qui n'est pas forcément habituelle et puis un terrain pas forcément non plus... Bon, elle court vraiment super, simplement je reste persuadé que si elle perd pas sa place à mi-ligne droite d'en face, elle aurait sûrement fini plus près au poteau. C'est vrai que c'était pas évident de la raccourcir, c'est toujours plus facile de les rallonger que de les raccourcir, enfin c'est mon point de vue, parce que du coup les chevaux n'ont pas le même rythme en course, ni la même pointe de vitesse pour finir. Elle s'est très bien comportée, elle était aux portes du black type, on va chercher du papier gras jeudi. Ça sera pour cette fois-ci. J'espère bien.